pour le citoyen lambda français, le Maroc, c'est un pays dans lequel il y a une belle avancée. C'est sur une pente, même si le coefficient est faible, mais on a l'impression qu'il y a des avancées. Moi, je suis dans une famille où il y a un taux d'engagement politique minimum, mais les gens disent ça va de mieux en mieux. Parce qu'on nous compare toujours au pays où la situation est pire. C'est toujours comme ça. Soyez contents, rassurez-vous, vous êtes beaucoup mieux que la Syrie, beaucoup mieux que la Libye, beaucoup mieux que peut-être les généraux qui en Algérie, etc. Mais non, on refuse cette logique parce qu'il y a d'abord il y a des engagements de l'État marocain. Nous, on évalue l'engagement par rapport à la mise en œuvre des engagements. Donc tout ce qu'on demande à l'État marocain, c'est pas d'être la Suède ou d'être je sais pas quoi, mais il prend des engagements, il ratifie des conventions, il fait des rapports à l'ONU comme quoi il ratifie. Donc nous, on demande à ce qu'il l'accepte. Et puis on a les moyens au Maroc. Nous avons les moyens que tout le monde vive en dignité. Et c'est ces moyens-là qui sont d'ailleurs, même le chef d'État l'a reconnu dernièrement, il y a les richesses, mais ces richesses-là ne sont pas réparties équitablement. C'est vrai, il y a beaucoup d'anecdotes qui ont été par la suite dites sur cette question-là, mais il y a une situation de pauvreté, de misère. Il y a 50 ans après ou 60 ans après l'indépendance, il y a encore la moitié des Marocains sont analphabètes. Il y a des régions où il est impossible d'accéder, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a des femmes qui ne trouvent pas où accoucher, qui accouchent dans les couloirs, dans les rues. Oui, il y a une mortalité infantile, il y a une mortalité de femmes suite à l'accouchement qui est élevée, bien que le chiffre s'est amélioré, mais c'est encore parmi les derniers. Il y a une répression de la presse incroyable, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc on est loin. C'est vrai que les Français, ils viennent en touriste, ils vont dans les grandes villes, ils vont dans les hôtels, ils vont dans les kiosques pleins, tout en couleurs, plein de revues et tout. Donc c'est la démocratie, tout le monde peut faire un journal. Mais non, c'est qu'ils parlent toujours le même langage. À la télévision, il y a des personnes qui sont interdites d'être invitées à la télévision. On ne peut pas, on ne peut jamais le voir à la télévision. Comment vous expliquez que ça soit hermétique dans la presse française? On n'entend jamais cette version des faits. Eh bien, parce que aussi en France, il y a des intérêts en commun, il y a des lobbies qui font à ce que l'image du Maroc ne soit pas la vraie ici. Il y a des gens qui sont toujours à Marrakech, à Mamounia, donc il y a une connivence. Le Maroc soutient toujours, plutôt la France a toujours soutenu le pouvoir marocain. Oui, toujours. Et puis, moi, personnellement, je l'ai dit dans plusieurs occasions, il y a un certain esprit du colonialiste qui encore, c'est-à-dire la relation France-Maroc, c'est encore une relation avec cet esprit d'intérêt, cette relation de colon qui... Paternisme. Néocolonialisme. Néocolonialisme. Donc, et puis, il y a des intérêts économiques énormes. Je prends l'exemple du projet TGV, par exemple. Qui a été décidé, on ne sait pas par qui, avec énormément de financement qui va se mettre dedans. Et c'est des intérêts français qui sont à l'intérieur. Donc c'est des intérêts d'une élite marocaine avec une élite française qui Ça, c'était pour faire plaisir à Sarkozy. Oui, c'était parce que les armes... Oui, parce que les avions... Exactement. Donc c'est des choses, c'est de l'argent des Marocains qui est mis dans un projet que les Marocains n'ont jamais choisi. Oui, je ne me rappelle plus, mais c'est des centaines d'écoles et des centaines d'hôpitaux. C'est l'équivalent des centaines d'écoles et des centaines d'hôpitaux qui vont être... Juste pour l'anecdote, 100 mètres de rail spécial TGV, ça coûte le prix d'un lycée, de quoi construire un nouveau lycée au Maroc. Oui, il y a un collectif anti-TGV qui a fait les calculs, qui a sorti une affiche comme ça avec le nombre d'écoles. Exactement. Mais c'est énorme comme budget. Et ça. Tout ça pour satisfaire les caprices. Exactement. C'est parce qu'il y a des intérêts en commun aussi. Il y avait un point, moi je reviendrai tout à l'heure quand tu auras la scène de la conférence. Moi, j'ai tout le temps dans ma tête lié la question des droits humains et droits de l'homme à la question de l'éducation populaire, de l'engagement de nos concitoyens à pouvoir se prendre en charge. Et vous disiez qu'il y avait un taux d'illettrisme, d'analphabétisme énorme au Maroc? Oui. D'abord, pour l'éducation populaire, vous savez qu'actuellement, la MDH, depuis le 15 juillet, elle subit une répression digne des années de plomb.
parce que le ministre de l'Intérieur, donc, le 15 juillet, après la parole au Parlement, il a dit que les ONG de droits humains sont des ONG qui touchent l'argent de l'extérieur, donc c'est des ONG vendues aux ennemis. Oui, il a dit ça au Parlement devant les députés. Et ils sont financés par l'Europe, par l'extérieur? Oh, oui, par des étrangers, par l'extérieur. C'est ce qu'il a dit. Nous avons des partenariats, bien sûr, comme toutes les ONG du monde, comme l'État lui-même, comme le gouvernement marocain lui-même. Il a le même. Oui, c'est les mêmes bailleurs de fonds pour lesquels qui nous financent, qui financent aussi. Et d'ailleurs, c'est un accord des gouvernements de la région euro-méditerranéenne à Barcelone. C'est une des recommandations, c'est de soutenir la société civile de la région sud de la Méditerranée. Donc c'est des engagements officiels dans des sommets où le gouvernement était là, y compris le gouvernement marocain. Et puis ces financements, c'est dans des cadres bien clairs, c'est des projets, y compris justement les projets d'éducation aux droits humains. Nous avons des financements de l'ambassade des Pays-Bas, de l'ambassade de Norvège, de la Finlande, de la Suisse, l'agence de coopération espagnole. Dites-moi de la France aussi. Non, jamais. Jamais de la France. Ils veulent pas et on veut pas non plus. Nous, on n'a pas... c'est un autre problème. Donc, ils ne financent pas la France et on n'a jamais demandé à la France de nous financer. Donc, cet argent va essentiellement, 90% de cet argent à peu près, va dans la formation des jeunes, des enseignants, des journalistes et tout, sur les droits humains, sur les valeurs des droits humains et tout. Actuellement, il y a cette répression contre la MDH, c'est justement parce qu'elle a eu un apport très important dans cette éducation. C'est parce que beaucoup de jeunes qui ont été formés dans ces universités d'été, ces camps de jeunes, se sont retrouvés au mouvement du 20 février. C'est les jeunes de l'AMDH qui ont fait cette formation, qui ont fait la première vidéo qui a lancé la marche du 20 février. Donc c'est une vengeance en fait de l'AMDH suite à son action, y compris l'action de l'éducation et de cette éducation populaire et cette diffusion des valeurs des droits humains dans la société. Entre autres, bien sûr, parce qu'il y a aussi les positions de la MDH contre la répression, contre la torture, etc. Une petite question, mais toi, comment tu... Enfin, tu vis au Maroc, bien sûr. Est-ce que t'es déjà arrivé de faire l'objet de pression, d'intimidation de la part des autorités? Moi, je suis, comme quelques militants, cible d'une campagne de dénigrement et d'insultes sur Internet et sur des journaux écrits qui, des fois, publient des articles avec ma photo et plein de mensonges à l'intérieur, comme quoi je touche l'argent de l'Algérie, je touche l'argent du Polisario, que j'ai... J'ai vous donner le numéro de compte de la TME. Exactement, quand vous aurez besoin, je suis prête. Hein. Donc, par exemple, je vous donne un exemple qui est très rigolo. J'ai été à Bruxelles au moment du 20 février, il y avait une table comme ça, avec le public devant, et sur la table, il y avait de l'eau, comme dans toutes les conférences. Les bouteilles d'eau, c'était des bouteilles foncées, un bleu foncé. 3 mois après, il y a un article qui est sorti sur un journal de la police. Tout le monde sait que c'est un journal de la police, avec la photo, ma photo devant... en disant, voilà les bouteilles de vin que Khadija achète avec l'argent de la MDH. C'est pour toucher déjà, c'est pour le public marocain, une femme qui boit, c'est déjà qui boit du vin au Maroc, c'est mal vu, donc c'est déjà touché ma réputation, entre guillemets. Moi, je n'ai rien contre le vin, mais en tout cas, c'était de l'eau, l'autre. Et en plus de ça, pour dire, voilà, c'est l'argent de la MDH qui est utilisé pour des plaisirs. Donc, pour vous dire, une autre fois, le même journal a sorti une photo de moi, en disant que j'ai envoyé un groupe de délinquants pour casser le bras d'un journaliste. Et ce journaliste avait vraiment le bras cassé. Je ne sais pas qui lui a cassé le bras, mais il est allé chez la police, il a déposé plainte contre moi et la police m'a convoqué pour m'interroger sur ce qui s'est passé.